Bonjour, Sylvie Savonne. Une petite vidéo d'une commande du 30 décembre 2019 de chez Aromazone. Donc, nous avons, pour commencer, nous avons l'orange sanguine qui était en promotion à 2,60€. Moi, j'aime bien cette huile essentielle, ça sent bon. Donc, ensuite, nous avons l'orange qui est rééquilibrante, donc deux tubes. La sapin de Sibérie, pour les bronchites, pour plein de bonnes choses. Voilà, purifiante et tonique, deux tubes. Donc ensuite, on va attaquer sur les micas. Donc, du mica cuivre, mais ça c'est pour teindre mes savons. Un. Noisette scintillante, toujours pareil, pour faire des mélanges de couleurs dans les savons. Deux. Alors là, j'ai quatre contenants de brillant effet pailleté en mica. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner dans des savons. Donc 4. Ensuite, nous avons là, c'est des mica toujours, mais c'est des paillettes. Paillettes naturelles. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. J'en ai profité qu'on a du soleil pour vous faire la vidéo. Et je vois que le soleil part. Ce qui est très rare dans l'Est de la France, d'avoir du beau soleil. Ben maintenant, il y en a plein sur mon compte. Donc, deux contenants. Là, encore un mica de poudre dorée. Voilà. On peut en faire du maquillage, les mettre dans des laits pour scintiller la peau. Alors, ensuite, nous avons un airless comme ceci, pour mettre les baumes et les crèmes pour que ça soit plus facile à prendre, parce que j'ai fait un baume pour ma belle-sœur, pour ses mains, mais elle a des difficultés à le faire sortir, donc je lui ai pris ce contenant. Et en dernier, de la cannelle de Seyant écorce, qui est tonique et purifiante, et je l'ai acheté parce qu'il est conseillé pour les verrues par Daniel Festi, donc dans son livre La Bible des huiles essentielles. Et ma fille a des verrues au pied qui ont du mal à partir, donc on va essayer la recette de Daniel Festi. Et ben, en vous remerciant, passez une agréable journée. Au revoir.